Bonsoir, la politique officielle, il y a mon collègue jeudi 8 février 2024. Vous nous suivez de partout. Vous avez un ami qui est à Bapaya. Vous avez un ami qui est à Bapaya. Vous avez un ami qui est à Bapaya. Vous nous suivez, vous allez en Europe, bandeko banso boko landa biso Afrique mobimba. Topesi bino mbote, mbote na bay boko landa biso na ba province nyonso ya République démocratique du Congo, bana ya ville province ya Kinshasa mobimba. Topesi bino mbote, nous allons lire les informations du jour avant de présenter bandeko o tuyambi penza na mokolo lelo qui nous était 2024 année à sika e bandi. C'est encore une première fois bana mboka bay na kati ya plateau ya bosolo na politique officielle pour na coupé ça ma cantine bango. Nous aurons plus ou moins 45 minutes il y a débat ba ko réfléchir à haute voix par rapport il y a maima ko leka na kati ya mboka na biso. Nous avons, nous savons tous que l'actualité c'est par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Bandeko bazali ko kufa na ngambo ya est ya mboka na biso. Pourquoi cette situation demeure bandeko bana kati ya plateau na biso ba ko pesa vraiment ba vie na bango parce que mikolole ki ebele décennie mobimba bato bali ko kufa. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la RDC bandeko bakoloba? Et nous allons aussi prendre cette information et bimaki mokolo a lobby par rapport à la nomination il y a informateur au nom il y a secrétaire général il y a UDPS Augustin Kabuya bandeko bakopé ça fait ba point de vue na bango. Nous allons réfléchir par rapport il y a quid de l'opposition après les élections. Voilà, nous allons d'abord prendre les informations du jour avant que je vous présente mes deux invités. 99 millions de dollars de la France pour financer notamment la formation de 13 000 enseignants et la scolarisation des 45 000 filles. Nord Kivu, trois miliciens dont un seigneur de guerre capturé par l'armée près de Boutembo. Formation du prochain gouvernement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nomme Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, informateur pour identifier la majorité parlementaire. Nommé informateur, Kabuya a 30 jours renouvelables une fois pour identifier la majorité parlementaire. MONUSCO, les retraits des forces militaires et policières onusiennes débute en avril 2024 dans le sud Kivu. RDC, les gouvernements condamnent les bombardements aveugles de la coalition RDF-M23 et félicitent les FRDC pour la contre-offensive. Agression dans l'est de la RDC. Les FRDC sont condamnés à réussir et à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour relever les défis. Kouamout, la société civile appelle au retour de la paix avant la tenue des opérations d'identification des électeurs. RDC, la Croix, promet d'alerter le Conseil de sécurité sur les dangers de la dégradation de la situation sécuritaire. Et enfin, sport, le président Félix Tshisekedi exprime ses encouragements aux léopards de l'RDC après leur défaite en demi-finale face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Voilà tout ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour sur ces plateaux. Toali Namoramboka, Arlette Odia, maître Arlette, Azali cadre na Katia parti politique PPRD. Arlette Odia, bienvenue, ça fait longtemps. Merci beaucoup, Madame Nadine Mamelo. Merci à vous pour l'invitation. Merci aussi naba Kongomani nyonso ba Rolanda biso na nzela émission elelo. Puisque c'est ma première fois na les kana média depuis que Mboule Bandi, on est déjà au mois de février, ça c'est vrai, mais j'en profite vraiment pour souhaiter les meilleurs vœux, ba en tout cas ba souhait à bonheur pour na ba Congolais nyonso, essentiellement ba o bazangi kimia. Baoyo ba okoka koliate bazo zo apelo kwa oliate ba na kimiate bazo kima epai nepai ba ebi pe bisika ngo bazo kendete ba wana pe na tombeli bango de meilleur pour les jours à venir pe ko pesa bango assurance que nous continuons à mener le combat au ekomema stabilité na kati ya mboka pe amélioration ya ba conditions de vie
yaba citoyen congolais. Voilà, merci beaucoup, maître Arlette Odia, Douali Pérenne de Konabiso, Cédric Moudiantou, qui est cadre Nakatia AVC. Merci. Bienvenue, bonne année. Merci beaucoup, Mamelo. Depuis l'automne 2023. Vraiment. Sous une forte pluie, vous le savez sous bien. Sous une très forte pluie, Mkoloto Sota qui va mûr. Oui. Ouais, c'est un très bon souvenir. Tout en il est sous 2024, une nouvelle année qui vient de débuter. Antoine Diomingi, pour nous associer à un débat Oyo, na Pessimbote, na Maître Arlette, et na ba Congolais Nyo Soba Rolanda Bisso, en particulier le premier citoyen de mon parti politique, Maître Didier Boudimbo, qui nous suit tout de même. C'est vrai, je suis en train de passer, condoléances dans la liberté. Je suis en train de changer la liberté. Que son âme repose en paix, monsieur Benoît Yolama, décédé, on me dit, depuis plus de deux mois, je suis très surpris. C'est la classe politique congolaise qui perd. Donc, il y a une douleur. Et quand je suis en train de faire la chimie, alors, je suis en train de faire le coup de Yambo. Je suis en train de faire solo, en 2024. Je suis en merci. Na ba union sur la circonscription électorale ya Lukunga ba sala kingai confiance ba accompagner kinga pe ba vota kingai malgré que et salamité que na nombre de voix ou tout sala ki tobima ba député to perdre c'est vrai mais to continuer na bango la lutte nous allons soutenir le Congo et toute initiative ou ezo ke na sens ya pour promouvoir bien-être congolais. 2028, nous reviendrons très fort. Et vous acceptez le chèque sans problème? Bon. Vous êtes sûr par rapport aux voix? D'abord, nous sommes démocrates. Tondima qui crédibilité à CENI, toujours continuer Kondima Yango. Et statistiquement, le fait d'avoir eu plus de 25 000 candidats, il y aura au moins 24 500 ou plus qui seraient candidats malheureux. Et Tondima qui était que Bissot parmi les candidats malheureux, wana. Effectivement, tu as convaincu que tu as qui va voir ébélé, mais les kambou a ou et tika lika va voir ébélé, tu n'as pas calcul selon organisation d'élection. C'est vrai, tu as atteint qui seuil, mais ils appellent les kambou à liste. Au cause à la makasi, mais peut-être bah colistier na yo, alors ils favorisent tes qui vont obtenir siège. La contestation, c'est bien, mais nous pensons que nous sommes beaucoup plus dans la logique démocratique. Nous avons accepté, effectivement, bah, ou bah kei na cour constitutionnelle bah kei, mais nous disons, nous acceptons ces résultats et nous continuerons à servir le Congo dans la dimension Moussous. Voilà, merci beaucoup à vous, Cédric Moudiantou. Nous allons demander d'abord à la technique, à Balancé Bissot, il et moi, il y a nomination, il y a informateur, Augustin Kabouya, Wazali nommé en tant qu'informateur pour l'identification de la majorité parlementaire. Et puis nous allons revenir tout juste après. Après l'avoir désigné informateur pour identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mercredi 7 février 2024, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État, Augustin Kabouya s'est exprimé en ces termes. Je suis très content de la désignation. Et je commence d'abord par remercier le créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. En outre, il révèle qu'en tant que l'informateur naturel du chef de l'État, dans sa casquette du responsable numéro 1 du parti présidentiel, il était obligé de faire ce travail avant même sa nomination, a-t-il ajouté. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Sa mission de 30 jours, renouvelable une fois, permettra in fine la formation d'un nouveau gouvernement. À cette fin, le secrétaire général de l'UDPS consultera le parti, regroupement et personnalité politique, toutes tendances confondues, appelé à siéger à la chambre basse du Parlement en termes de résultats provisoires proclamé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Augustin Kabouya rendra les conclusions de sa mission au président de la République. Et voilà, je viens de suivre tout à l'heure l'élément sur la nomination. Il y a Augustin Kabouya comme
informateur. Tokobanda Namwalamboka, Cédric Moudiantou. Vous avez suivi, après 10 jours, il y a ouverture, il y a session extraordinaire dans l'Assemblée nationale. La décision est tombée. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a aussi vraiment comporté choix sur Augustin Kabuya comme informateur. Vous d'abord, dans l'Union sacrée, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Non. Evet Fengo, d'abord, pour Nangaï, en tant qu'acteur politique, et puis pour Nalingomba politique Nangaï, autre vision du Congo, allié de l'UDPS, le choix du chef de l'État, na Mwanamboka, Augustin Kabuya, Mwanabute, on a pesi ba félicitations, na Tombelie Moussala Molamu, et ça déjà choix Malamu parce que, un, il représente la confiance du chef de l'État par rapport à la personne qu'il est, na ba valeur union soit incarné notamment, un homme très réservé, une personne, personnalité très ouverte, rassembleur. Je pense que c'est un très bon choix par rapport à la compétence naïe et évidemment confiance de Nauti Goloba ou à se représenter. Pour la bisolingomba politique, autre vision du Congo, Tozo Kanisaki, chef de l'État, a résolument déterminé cette fois-ci à voir son action aboutir. Et bien, pour voir son action aboutir, il a besoin d'avoir une majorité homogène. Homogène, ça veut dire une majorité oyo. Eza impliqué na kati ya likanisi na ye. Alingia zonga lisusu na ba ambush, ba embuscade, ba goulon dans les roues. Oyo a connaissa kite na législature passée tout au début, à travers coalition FCC Cash, oyo pe sovrain, ba manifesta ki ye dès le début, volonté hypocrite na bango, ya kotambola na ye. Nous croyons en leur bonne foi, et tokanisa que nous étions une majorité, mais, parcours et la kisa qui kendo, tous à la qui majorité te puisque na kati, bah intention politicienne et à la qui y'a qu'au rouler, puis qu'au accompagner plutôt na échec, et puis qu'au faire désavouer na population ou et vota qui est. Comme pour dire, le problème n'est pas d'avoir une majorité, parce que na kati y'a majorité, vous pouvez aussi avoir des gens qui viennent, pas pour na qu'au accompagner bino, mais pour na qu'au sala kebo échouer. D'où, il voulait d'abord s'assurer que, ça soit une majorité idéologique. Majorité, oyo, ezo, landisama, combat, ya contre Étienne Tshisekedi, peut penser à gouvernance, ya Félix Tshisekedi. Augustin Kabuya, en tant que secrétaire général, ya UDPS, depuis législature passée, yende a tamboli, na bampate, nyon, sosoto, kobenga, bango, boye. Ça veut dire, dans le cadre même, ya Union Sacrée, poisa, moko, ya présidium, a yebi comportement, ya moko, na moko, donc, il y a une élection avec déjà beaucoup de candidats au Bazala qui a Union Sacrée, c'est vrai. Mais qu'au lendemain, en réalité, il ne suffit plus de se contenter que du nom Union Sacrée, puisque tout se contenta qui peut na combo cash FCC. Alors, na kati ya lingomba Union Sacrée, il faut maintenant voir avec qui constituer cette majorité. Dans la reportage, dans le lobby, quelle que soit la tendance, ça veut dire ce n'est pas exclu que na kati ya Union Sacrée tous à la peine na ba oyo bazana likanisi ya chef de l'État te tandis que misusu pe bazali bande ya Union Sacrée mais oyo bazana kati ya likanisi ya chef de l'État. Donc c'est ça même qui donne le sens et le contenu na musala ya informateur qui doit effectivement koluka ezala na libanda ya Union Sacrée to na kati ya Union Sacrée banani oyo effectivement ba ko constituer majorité oyo au bango bazala nangamuya mokondiamboka de telle sorte que ba faciliter action ya gouvernance naye na terme ya deuxième mandat. Voilà, Kabuya a bien dit, c'est un destin, Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Mwanamboka, vous êtes sûr, parce que vous avez évoqué tout à l'heure que c'est un rassembleur, vous êtes sûr que Kabuya était rassembleur? Mais parce que ce Rolandi, Bato Moussous n'a évité, même dans son parti politique, il y a d'autres, Moussous Balobaraké, non, il fait fâcher les gens. Ben oui, même les pères des familles font aussi fâcher certains enfants. Ce qu'on a dit, Moussous, c'est que Bissonios, c'est que papa, mais papa. Qui a zappé moto à Sangisakate, au contraire. Yangon a lobby. Aza papa, mais bamsous bakoué bisayo à Sangisakate. Même nature peut éco enseigner bisou yangon nzambe mokeli à l'écolo penase. Si le loko tu azan azon di mamate na batou moussous ou ba païen ba existaka. Alors ce n'est pas Kabuya qui pourrait faire mieux que Dieu. Dieu qui déjà n'est pas accepté par certaines personnes. Mais les résultats c'est ce qui compte. Ceux qui balobi na bisou qui aza rassembleur te.
UDPS est participé qui n'a pas élection en 2011 pour combien de députés? UDPS est participé qui n'a élection en 2018 pour combien de députés? Mais le nom ou moins rassembleur, Augustin Kabuya, en tant que secrétaire général, nous avons vu le score au UDPS à Sali seulement dans l'élection législative. Qui dit mieux? Et ça va au balobi qui a rassembleur T. Tous les abissos automoni résultat, il y a Moussala ou Yassali en tant que secrétaire général, je pense. Bissot toujours satellite plus n'a pas indicateur. Le débat est riche et pédagogique lorsque ce sont les indicateurs qui les guident. Alors, parlant des indicateurs, je pense que Augustin Kabuya a mérité confiance, chef de l'État. Est-ce qu'il serait à la hauteur de cette responsabilité? Mais il a été à la hauteur de diriger. On est avec le secrétariat général. Non, mais il a été à la hauteur de diriger. Secrétariat général, ne prenez pas l'UDPS comme un parti politique, puisque c'est le plus grand de tous les partis politiques au Congo. Donc l'UDPS a la grandeur de plusieurs plateformes où ils ont aligné dans l'élection. Donc, ils ont fait architecture même, il y a gouvernement, puisque les partis politiques, ils ont une miniature architecturale, il y a gouvernement. Pour avoir été en mesure, il y a qu'au diriger l'UDPS, avec toutes les critiques que nous savons, ou même encore, puisque le Congolais va kendara au délai, va critiquer, il y a quand même tinaba insulte. Il a eu les nerfs à se contenir face à tout ça. Mais à Mimi UDPS, à Mimi Union Sacrée et Longo Naba, Ninga Moussous Nakatia Presidium, tinaba élection pour la cause naba résultat, Oyo, Augustin Kabuya a fait preuve de compétences et véritablement de capacités. Le chef de l'État ne s'est pas du tout trompé par les choix d'Augustin Kabuya. Je voudrais d'ailleurs féliciter le chef d'État pour ce choix et encourager Augustin Kabuya à maintenir l'élan, à continuer Moussala Oazo Sala, à peser à la chef de l'État une majorité Oyokondo Tchenteke de Rosanango Fiera Lobake. Cette fois-ci, dès l'entame de la deuxième législature, Félix Tshisekedi Yako Beti Sabana Kongo Maboko, pour les Kandenge à Sala Kiango dans le premier mandat. Voilà. Bato Moussou Baina Banda Kouba Lobane, Bako Loba, Kak informateur Augustin Kabuya, rôle. Il y a un formateur, Ezali Nini. Et comment il va procéder pour identifier la coalition majoritaire dans le Parlement? Le rôle de l'informateur est constitutionnel. L'article 78, je crois, de notre constitution est élucidé yango clairement. Tokendaki na élection avec le système démocratique au Congo qui se résume ou bien qui se définit à travers le pluralisme de partis politiques, tout bien yango multipartisme. Ba parti Ezala Kebele, le fait déjà d'avoir 26 000 candidats au Monitala, ba parti Ezala Kebele. Alors, Nakatiya Mobeko, parti Oyo Ezo atteindre majorité, ça veut dire 250 plus 1 député, yangon déjà majorité. Or, tango tali, yangon déjà majorité dans le Parlement. Soko tali configuration, lingomba politique, mon côté, et atteindre 250 plus 1 député. D'où la nécessité constitutionnel, donc légal, de nommer un informateur, Oyo Yesikoyo, à dégager majorité, ça veut dire, à ça la liboke, ma parti, Oyo, bazo kota na kati ya engagement, ya ko soutenir mon konzi amboka, ou bako constituer ce majorité, pour ba atteindre volonté à constitution, zolo ba 250 plus 1, loko la parti moko atteindre yango te, il faut si ko ko ça la ba coalition. Coalition wanande yango ba bengi yango, constitution à majorité, Moussala Oyo informateur à Kosala. Ya Osala Ndengenini. C'est une consultation. Il va maintenant consulter ba responsable ya mangomba politique Oyo Bazala Kina Maponami, Oyo Babibisi ba député, donc akeye pa ya Songolo, akeye pa ya Didier Boudimbu, Yo Zala Kina ba député, combien akeye pa Baati, ainsi de suite, Mango Bandimi ko travers na Mokonzi Amboka, Tango ba Sangisi Batali nombre Oyo et Koki effectivement, Batali effectivement ba atteindre Mokano ya constitution, ça veut dire 250 plus 1, parce que 250 plus 1 ça veut dire Tokotina majorité, Wanande Mosala Oyo ya informateur, c'est juste pour dégager ça. Mais la Katia Union Sacrée, ce travail est Koko Salamate. Il faut nécessairement qu'il y ait un informateur. Mais il faut qu'il y ait. Non, il faut qu'il y ait un informateur. La constitution parle d'un informateur. On lui a donné une mission. Vous êtes déjà majoritaire à l'Assemblée nationale. Non, non, majoritaire au Tozali, en termes de regroupement politique et de la plateforme électorale. Non, tu le bano awa, c'est d'abord aussi l'esprit. Tu kenda qui n'a ma pronomie, tu es bien qu'il y a za AFDC, il y a za AVC, il y a za ainsi de suite. Tozali a Union Sacrée, mais tu kei en tant que parti politique, tu kei en tant que regroupement politique, tu kei Union Sacrée en tant que plateforme électorale.
Le Kola Tokayi en tant que plateforme électorale T, ça veut dire l'effet à que tout ça la majorité par rapport à Ndenge Tomignon, sacré député Bélé, et Zali Ndenge Mokote na Ndenge Constitution et Lobby. Et c'est ngali ko rendre yango ko formaliser yango sikoyo ko landisa ma volonté à constitution nde mosala informateur azo sala pona ko dégager effectivement majorité wana ko landisa ma volonté à constitution ça veut dire lingomba politique moko ba s'aligner sikoyo comme majorité pona ko soutenir mokonzi mboka pour autant que tozala ki plateforme électorale té tozala ki regroupement politique ou même encore ba parti politique différent. Il y a nécessité et il y avait nécessité de ne seulement pas constater le fait que l'Union sacrée Azoui majorité, mais encore fallait-il formaliser cela, d'où le travail de l'informateur. Voilà, merci beaucoup Cédric Moudianto. Arlette Odia, venez de suivre tout à l'heure Augustin Kabouya à l'Obi Saint-Destin. Dieu a voulu que ça se passe comme ça, Lengue Yazali, informateur. Est-ce que c'était important, c'était nécessaire à l'Union sacrée? Il y a plutôt au président de la République, il y a Koptiali sous informateur, Ndenga Lobi Ali na Kati Yamibeko pour la majorité. Il y a les bossons le baboui, que les commentaires, il y a Augustin Kabouya, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est ce que gagne le peuple dans chaque initiative, dans chaque acte que posent les acteurs politiques et surtout les dirigeants. Il faut non aller biso que toza na kati ya mboka moko o mibeko eza souté toza na mboka moko o bakambi baza souté. Il n'y a vraiment que des individus à la quête, il y a un intérêt particulier na bango. Ils vous disent qu'il y a eu élection dans ce pays na 2023 décembre le 20 baltiba le 26 décembre. Mais après qu'il y ait une élection dans un pays, surtout le nôtre. Parce que l'élection à Liboso, c'est au Congo. Quatrième cycle. Mais après qu'il y ait élection, avant Bobeta Masolo informateur, on parle de quoi? Est-ce qu'on peut être dans un pays où Tokomo Beta déjà Masolo informateur, quand un membre et un gouvernement, il faut cumuler ma fonction, na faut que député dans quatre assemblées nationales? Ce sont des indicateurs. Ils ont hôtel Issa Makambonga déjà dans l'obara depuis Kala. Vous vous souvenez la raison pour laquelle dans l'ongwa famille politique il y a Félix Tshisekedi? C'est j'ai dénoncé ma violation à Mibeko. Je vous disais que dans un pays où la loi n'est pas respectée, on ne peut attendre aucune retombée positive pour la faveur de la population. Beaucoup de gens ne l'avaient pas compris. Atako Mokondiamboka, Azaiko Lobakisa Lume Banda. Je disais aux gens qui salue à mon côté Kobanda, ce qui n'a noté tout Vandeli, Koto Samibe Kwamboka. Vous avez vu que deux ans ou trois ans après Maloba, qui salue mes bandes, et comment FCC, n'est déjà mi baby, c'est là qui, bon, on a eu que deux ans ou trois ans et un mandat. Non, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que, bah, qu'on gouvernait en fonction qu'il y a d'intérêt. Et si comme au bé, qu'on a Maloba, clairement, ce qui doit être fait. Eux font le contraire. Pendant que je vous parle, il y a des innocents au Banakatiaba prisante. Au Moutounion, soyez bien que Oana Aza innocent. Pourquoi qu'à l'objet, on ne peut pas nous intimider? Des connaisseurs qui parlent. En prison, Balobi Kassali outrage au chef de l'État. Pourquoi qu'à Ndeko Jimmy qui t'engage à critiquer qui moussa la chef de l'État? Bah, et bisabino que Assali outrage au chef de l'État, Banakatiaba prison. Tout ça pourquoi? Parce que la loi n'est pas respectée. Quand un gouvernement qui dit, ou un président de la République, a roloba qui a bandi un mandat, a robete l'abso masolo informateur, pendant que, bah, membre d'un gouvernement, bazako cumulé ba fonction, à l'époque où Kabila dirigeait le pays, c'était les premières mesures qui se prenaient. Bah, ropé ça, bah, membre à gouvernement, 8 jours, pour la coopérer, bah, choix. On a vu, bah, membre à gouvernement, au bah, opéra, bah, choix, y'a kokende, bah, mokoko, n'assemblée nationale, bah, misous, bah, opéra, choix. Il y a aussi qu'à la nakati à gouvernement parce que calcul n'a pas déjà que suppléant à Koka Kozoa siège nakati à Assemblée nationale. Mais en ce moment-ci, il y a des dirigeants insensibles quand les Congolais leur disent que n'a plan wana Mobeko est à violer. Donc, bah, respecter ma texte T. Bah, respecter ma texte T. Toke l'issus n'a ma kambouya nomination informateur. Mission informateur est à Oba Oyeb Sabino Anate. Le mot en politique, ont leur sens.
Ne leur donnez pas forcément les sens au dictionnaire à roper ça. Moussala est informateur quand on dit identifier la majorité. C'est pas qu'il y a quelque laquelle partie, telle partie a zaki autant d'élus, telle autre avait autant d'élus. Parce que tout le monde peut faire ce travail à travers, conclusion, il y a CENI. Tant au CENI a republié, résultat. N'est-ce pas, Carole Obake, telle partie politique a obtenu autant de sièges, n'a telle circonscription, ainsi de suite. Moussala est informateur, et Zakora s'est rapproché et pas à bah groupe politique donc bah famille politique est-ce que Burundi mako travaille na mokonzi mboka voilà les conditions parce que il faut pas dire que tous les partis politiques y a majorité bangonyo sokande ba se retrouver na gouvernement le travail de l'informateur Ezakomona comment on va constituer le gouvernement. Or, ce n'est pas tous les partis politiques basanakati à gouvernement. Donc, quand on parle d'identifier la majorité, c'est en fait présenter aux différentes formations politiques en face que voilà les accords politiques. Est-ce que vous êtes prêts à intégrer le gouvernement ou ne pas le faire? En fait, en politique, c'est ça, la mission essentielle de l'informateur. Maintenant, Ozoyo Kandeko Kabou est en train de parler. Il vous dit que maintenant, je vais commencer à consulter les députés. C'est ça encore la violation de la loi. Vous allez consulter les familles politiques et les partis politiques en fonction que basali déclaration d'appartenance na majorité ton opposition ou bien vous irez consulter les députés nationaux. C'est là que Nazako Ebisabino, comment l'UDPS a consacré le débauchage na Katia Mboka Oyo. Et les conséquences, nous sommes tous en train de les vivre. Nous payons les prix du débauchage, nous payons les prix du désordre politique. Oyo ba eko institué na Katia Mboka na biso. Il le dit, vous l'écoutez, Yemoko Ebisabino. Mais entre-temps, les partis politiques n'ont même pas encore fait les déclarations d'appartenance, selon qu'ils sont de l'opposition ou qu'ils sont de la majorité. Avant Batouba Kende, na élection, les gens peuvent se dire que nous sommes de l'opposition ou nous sommes de la majorité. Selon que les élections se passent, il y a une famille politique ou un parti politique à cause de la Zaki, la majorité. Mais le lingéo élection Salemi, violation, irrégularité, fraude. Après l'élection, il peut dire que nous avons travaillé, nous avons opposition, nous travaillé, nous avons majorité. Un parti politique qui, aux élections, était présenté comme un parti à opposition. Après les élections, on peut dire, nous avons travaillé, nous avons majorité, il y a opposition. C'est ainsi que la loi portant statut de l'opposition organise comment les familles politiques ou les partis politiques peuvent quitter une famille politique vers une autre. Comment même les individus détenteurs de sièges peuvent quitter d'une famille politique à une autre. Mais nous sommes comme Aminami Beko. Oyosiko Bango Bakomiko Sala, c'est tout ce qui leur passe par la tête. Donc nous sommes en train de vivre l'arbitraire comme on ne l'a jamais connu dans ce pays. Siko Toke, sur la personne en question de l'informateur. Madame Mamelo. C'est rassembleur, dit... Mais ce n'est pas d'abord ça le problème. Le problème est que les Congolais doivent se rendre compte que Mokonzi Mboka, il a vocation, yako, confier la responsabilité les uns et les autres selon que le peuple a que ça la confiance n'a pas toi à responsabiliser. Mais avec la désignation... D'Augustin Kabouya, tout le monde se rend compte combien le chef de l'État Zolinga a centralisé Bilogonyo surtout dans ma boko naïe. La personne de Kabouya, ça c'est pas moi mon problème. Ses origines, ainsi que le fait qu'il soit le responsable dans le parti politique qui est président de la République. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème. Ça veut dire que le chef de l'État veut tout faire à la fois. À l'époque où Kabila dirigeait le pays, qui était nommé formateur? Voyez Batuneti Bamwando Simba, que certains pouvaient considérer comme même opposant. Quand Kabila dirigeait le pays, Léon Kengo Adondo, un opposant, il a dirigé le Sénat. Ça veut dire que vous voyez que c'était un chef de l'État qui ne veut pas que pouvoir nous surtout et même Mamakakana, la famille politique Moko, ou bien la personnalité politique Moko. Où est la diversité? Où est le rôle? Il y a tous ces autres regroupements politiques, tous ces autres partis politiques qui s'étaient engagés. Il y a aucun rappel à l'élection.
Donc maintenant, et comme il que les gens doivent commencer à suivre un individu, parce qu'en fait, tout est centralisé aussi dans la même famille politique, autour de la même personne, autour de la même tribu, ça pose un problème. Nous avons un abisso dans la FCC. Nous voyons les choses différemment. On continue à mener le combat pour que Nakati Amboka, oh, les choses se passent convenablement. Arlette Odia, est-ce que pour l'instant on peut dire qu'il y a encore une opposition RDC? Ah, mais qui l'a tué? Dites-moi qui a tué l'opposition. Votre question est essentielle. Au moment du temps, on bisso toi au Kende, dans l'élection, oh, il y a 2023. On a vu comment la place de l'opposition était étouffée au sein de la CENI. Quand on disait que cette CENI ne peut pas organiser des bonnes élections, c'était pas seulement pour la présidentielle, c'était pas seulement pour la FCC, non, c'était en fait pour la démocratie dans son ensemble. Ceux qui sont membres de l'opposition, ils ont bien désigné dans le cadre l'Assemblée nationale, pardon, dans le cadre du bureau à CENI, il y a organisation à CENI, vous verrez que l'opposition ne va pas occuper la place minable ndenge ba wana ndenge ba pèse opposition. Vous voyez que c'est l'Assemblée nationale pour l'instant, il y a que les gens de Katumbi, hein. Et à puis moins que je me trompe. Et puis vous savez que ti lelo si Katumbi a kondima également atinda azaye ko bien après si Katumbi a kondima que si Katumbi a kondima que ba député na eba kendeko siéger na kati Assemblée nationale, voilà, c'est pas ces députés. Et pas pour la plupart, Aboyi, voilà, Aboyi Andimi. À cause justement de la menace, il y a débauchage. Ces députés, la plupart étaient déjà disposés à dire, en tout cas, ceux qui ont Aboyi n'ont aucune majorité, ou bien Assemblée nationale, c'est au Kinabissou, hein. Cette façon-là de tuer les partis. Mesdames, les sièges, on ne les donne pas aux individus. Les sièges, on les donne aux forces politiques, aux partis politiques, aux regroupements politiques qui vont aux élections. C'est seulement avec l'UDPS au sommet de l'État qu'on vous parle des postes, des sièges au sein de l'Assemblée nationale, comme si on les donnait à des individus. Ces choses-là, binofoboboyango. Et nous, il y a FCC, nous sommes engagés à mener ce combat si l'ordre va rentrer au pays. Tout ce qui se passe, mais là n'est pas le problème. Le problème, il faut tout simplement croire à ce que vous voulez faire. Et ce que nous voulons faire, c'est conquérir le pouvoir. Que l'on soit dans les institutions, tout comme en dehors des institutions, l'objectif pour nous est de ramener l'ordre au pays. Et l'objectif pour nous est de reconquérir le pouvoir. Quand Moïse Kabila est arrivé au pouvoir en 1997. Comment? Parce que je sais pas. Est-ce que le PPRD, ils ont le rôle des autres existaient? C'est comme si les autres existaient, les soutiens. Vous allez le faire comment? Mais hier déjà nous étions dans des contacts. Oh bon, moni bah image dans Kati. Il y a réseaux sociaux. Nous sommes en train de communiquer. Le problème avec le pays en ce moment, c'est que vous pensez que tout le monde doit faire les choses telles que vous attendez. Bisso combat la biche en langue loyale. Ceux qui ne nous comprennent pas pensent que on ne fait pas les choses convenablement. Nous sommes en train d'évoluer. Quand on disait aux gens qu'il n'y aurait pas élection dans ce pays, beaucoup bandima qui ont voté. La plupart quand il y a des candidats président, il y a des candidats députés nationaux, provinciaux, voilà. Ils sont là même dans quand il y a eu des personnes. En train de vous dire qu'il y a eu tricherie, il y a eu une nomination, il n'y a pas eu élection. Aux hommes, on a donc on mène notre combat. Nous sommes en train de récolter les victoires. À chacune des batailles, on aura des victoires jusqu'à la victoire finale. Merci beaucoup. Merci Arlette Odia. Moi, l'amboka, Cédric Moudiantou. Il n'y a pas eu élection, hein, selon Arlette Odia. Et de quelle manière Augustin Kabouya a identifié majorité, Azali ko comprendre en hôtel au bif. Bon, il fallait car Kabouya dit qu'il faut consulter les députés. Izali anormal, bozoko kende libanda ya ba texte, libanda ya mibeko. Non mais na yogi pour ça aussi ka moi mke. Tango maître Arlette pour qui j'ai beaucoup de respect. Azo argumenté nga longi pas timingi puisque o balobalba benga kango koki mambula ne balé ozomona nalandi d'abord na prise de parole na ye a pesi mobile politique o esala ki ya longwa na famille politique nga bengi yango ya Félix Tshisekedi akindi na FCC alobi puisque na famille politique ya Félix Tshisekedi babande ko respecté mi bé côté. Alors moi je me suis posé la question vraiment est-ce que ya zaki pena poser à respect à mi bé. Comment yoko lo bako longwe na famille politique a tchekedi po bazo respecte mi be kote?
mais okéi na famille politique yaba oyo kutu bangonde ba bomaka mibeko wana. Est-ce que maman ou Arlette tuzunga un peu na ebandeli sikoyo ya choix na ye tango asala ki choix eloko nini emimaka ya yande na famille ya politique ya Félix Tshisekedi puisque famille politique ya Kabila pe ezalaki oyo emimaki ye aya na famille politique ya Tshisekedi ezalaki nini puisque certainement elle avait pris le temps de faire le choix. Pourquoi elle avait fait le choix pour la famille politique à Tshisekedi? Et ça n'est le coup et ça là qui a qu'un des côtés au thé. Mais comment se fait-il que OEPK ça qui a qu'un des côtés a opté pour la côté a tiki côté a ya qui a zongi côté cette contradiction là? Ça ne s'explique pas. N'a eu cas d'espèce qu'à des morts pour aller bien au Makamba respect à Baloua. Maman, est-ce que vous avez liberté civile et politique yo en tant que mon ami Beko et ça constitutionnel? Mais liberté civile et politique et ça constitutionnel et ça mon côté. Mais famille politique aux soutenir. Vous voyez combien va violer la disposition là. Va violer en gros de qu'on a eu moi si Thérèse Kapanga la coupe pour la violation là. Va violer en gros de qu'on a biso oyo paix à son âme. Notre vaillant héros Chimanga aussi est mort na cause à violation là. Va violation mi beko ya makati na vie exemple ka mon corps liberté civile et politique. Ba violer yango kobanda donc il veut maintenir Kabila na pouvoir c'est une violation mais comment yo ko ba ko longwe côté pour la violation mais ozongi na epai ya autorité morale ya violation yango na mekaki ko comprendre mais na moni une grande contradiction. En plus de ça aujourd'hui on ne peut pas parler de l'informateur alors qu'il y a des gens qui sont en prison et tout ça. Être en prison, non, la prison n'est pas contre la loi. La prison existe même dans les démocraties. Moto ya bungi mibeko asali mbeba akenda ande prison yo za moto ya mibeko. Prison ya mabe ezatango moto ake prison sur base d'un complot politique. Mais tantôt que na ba election Dieu Mindonga la na prison sur base d'un complot politique. Franck Diongo kota prison sur base d'un complot politique. Boyebi combien de prisonniers politiques obino bosala? Oh le losko yo ke côté kuna po koto yo batu bazo violer mibeko toke na ba election to ba nommer informateur puisque batu bazan na prison. J'aimerais bien même moi j'ai pu aussi aller en prison. Si je suis un déviant, ma place, c'est la prison. Je ne peux pas user de ma casquette, n'a pas pour naza moi politique, n'a quoi qu'il n'est kunate. Ce qui est allé sur base, il y a déviance, c'est bon. Mais ce qui est allé sur base, il y a complot, tout est le mélange. Mais bino, botie batou boni na prison, sur base d'un complot politique. Place où on a les sources n'a moni que histoire mingi mingi a pu perdre, n'a noé biango, malamouté. Les kambou y a ba cumul, y a ba fonction. Je pense que n'a obé taliso n'a ngoté puisque le conseil d'état a tranché. Le conseil d'état a tranché. N'a joué si kuna. Ma cambouya formateur désigné à tant que Kabila. Pour l'obi pe avec non, moussala y a un formateur. Ils sont déposés. Moussala y a un formateur, y a un gonde te haute. Mais, oyomoko l'a dit qu'il n'a qu'à t'explication n'a yé, c'est ce que nous avons dit. Identifier la majorité et puis batou oyo bakou travailler na mokonzi amboka. Mais il y a lobby que Kabou, il y a lobby, je vais consulter les députés. Moi, j'ai pas entendu ça de toutes les façons. Mais awa, j'ai bien dit le rôle de l'informateur à consulter ba leader politique. J'ai bien précisé au Kolandangou na rediffusion. Maman Arlette, tant que lobby que la personne de Kabou, il y a d'après vous, est posé problème par rapport à l'origine naïe, je pense que le pays ne fonctionne pas sur base des humeurs, mais sur base de la loi. La loi n'a pas spécifié. De quelle origine devait être l'informateur n'est pas appartenir à la... J'ai parlé ici de la confiance, puisqu'il est en train d'identifier la majorité, et c'est cette majorité-là qui sera les bras séculiers de l'action du président de la République. Alors, on a besoin de... Ah, quoi, on a piège au bino botanda qui est la première législature, à joba chauve-souris, à kende na bango, pour pas compliquer. Il a d'abord besoin d'une personne, oyo, y a zana, y a confiance, et puis oyo akosala mosala ko landisama vision na ye tango petit makamba ba origine bino bo yebisi biso e Kabila za katangay. Bon, nous acceptons, mais Charles Mwando Simba oyebi ki origine na ye azaka pe informateur. Alors il était du bandundu? Non, ambala mingi tango zo globali kambu fo tala ka mingi na sima na nokito ya komifinga Charles Mwando Simba katangay. Kabila, vous avez dit aussi il est katangay. Est-ce qu'il crée qu'il y a une incompatibilité? Pour autant que ce n'est même pas Moussala ya informateur ndeza yango action gouvernementale, non. Il n'a que le travail de dégager la majorité pour accompagner Mokonzi ya mboka. Une fois de plus, je me suis vu dans une dérive oyo et na lingi mingi kokota na kati na ngote maman Arlette alobi makambu ya informateur et puis à comparer yango na ba irrégularité na ba élection. Pour la première fois, on doit le reconnaître. Bah, observateur, bo, benga kape bango, centre carter, bah, yaki, olandi pe rapport na bango, si mama pour la première fois.
où nous avons eu un processus électoral apaisé. En 2006, vous avez tué les gens. Et Bandaki, le 30 juin, tout s'arrête. N'a évité ce que Bandaki a dit la politique, mais l'amour depuis la période Ouana. Le 30 juin, tout s'arrête. Babandi Kobomabatu pour avoir les élections de 2006. Souvenez-vous, paix à son âme, l'abbé Apollinaire Malumalu a publié les résultats na char de combat. Na 2006, était pourquoi? Lorsque la Cour constitutionnelle validait les résultats de la CENI, de la CEI de Naguère, Cour suprême à l'époque, ils ont moto, Batumba Yango et Pela moto. Pourquoi? S'il n'y avait pas irrégularité, puisque le peuple ne s'était pas reconnu dans les résultats publiés par la CEI, confirmés par la Cour suprême. Toyé na 2011, na 2011, Kounande, pas moyen, avec le fait docteur Étienne Tshisekedi, dit, j'ai dit ça, bobomi batuloko lambinzo. Donc, un processus sanguinaire avec Joseph Kabila. Même chose en 2018, puisqu'il fallait qu'on ait des élections en 2016. Bon, ça, il y a une élection en 2018, mais dans 4, il y en a carnage. On a tué combien de personnes? Pour la première fois, on ne peut même pas parler des élections avec irrégularité, puisque les opposants ont pris part. Ceux qui n'ont pas pris part, par leur propre volonté, puisque tout le monde a sur l'élection. Élection peuple n'est à voter. Et c'est clair, avant l'élection, qui peut perdre quoi une élection. Peut perdre tout, il y a une élection. Pourquoi? Parce que élection veut dire choix du peuple congolais porté sur un dirigeant comme président de la République, n'a pas député. Ce que peut perdre le Ngazaka, n'a pas candidat. Mais il va pas voter candidat. Puisque le peuple perdu n'a aucun souvenir positif pour le peuple congolais. En revanche, le peuple congolais, le peuple perdu n'a aucune base. Oh lelo, otangi kombo ya Joseph Kabila. Comme autorité morale, après peuple a voté. Donc il était évident, et on le savait, que vous n'alliez pas venir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait même pas vous situer. Vous êtes dans l'opposition, dans la société civile, ou bien quoi? Clairement, vous n'existez pas. Au lobby qui est babomi opposition. Maman, babomi opposition. Opposition est en gros. Quand tout le monde est en opposition. Azaka na exil na tango na bino lelo azana na opposition. Martin Fayulu a kenda ki na élection comme Union Sacrétaire. Franck Diongo a kenda une élection comme Union Sacrétaire. Mais le peuple a tranché sur base d'un bilan. Et c'est sur base de ce bilan que lelo Félix Tshisekedi étali sa mi. Tomoni pour la première fois va publier ba résultat. Peuple olia bata ma ba beta ma sa si nenge to mesana ki na 2006, 2011 ainsi de suite. Tout le monde peuple a continué à zéla, à zo mela, à zo sepela, ba klaxon, à zo betama, et c'est là, na Congo mobimba. Comment yo kolo ki ba bomi opposition? Tango oyo toke kolo ki ba bomi opposition, et za tango oyo ba opposa ba zo kangama, zo tana prison. Tango oyo ba opposa ba okende exilé, ba exil, pardon. Tango oyo ba militant ya opposition, ba zo boma bango na masasi, ba zo kanga bango kale, ba zo zo, zo boaka bango na bisika yebanite. C'est en ce moment-là qu'on pouvait parler, bomi opposition. Mais les lois opposition qui a exercé en toute liberté. Azo sala ba manifestation na ye en toute liberté. Comment on peut parler, bomi opposition? Té, ce qui est ya solo, que bomi opposition, ezane que Étienne Tshisekedi ya lobaka, tango UDP se kokoma na pouvoir, opposition koza la té. Ça ne veut pas dire que toko boma opposition, puisque l'opposition est consacrée par la loi. Et coexister, puisque le peuple congolais s'alignera derrière la bonne action, l'action positive pour son bien-être. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Peuple congolais, Zana opposition, Zana binote. Quand je parle de l'opposition, c'est pas vous. Puisque vous, on ne sait pas, vous êtes où? Vous êtes opposition? Vous êtes société civile ou bien carrément vous n'existez pas. Donc, peuple congolais. Mais opposition. Bango. Naïbiti. Yo, boy, reconnaître en commun. Peu perdu. Bas opposition. Peu perdu aujourd'hui, c'est un parti politique de l'opposition. Naïbiti. Yo, on a tout une nazo, c'est posé des questions. Bas en opposition. Bas en société civile. Tout bas en DPT. Carlet, tout dire au répondre. À au répondre. Ce qu'on va répondre, à au PSB, c'est un indicateur, ça, l'existence, na bango, l'élo. Et puis, na camp politique, ni bango. Bas s'est retrouvé. Mais on a constaté, c'est un vide. Alors, bas sangana. Bah, ça, bah, réunion, je sais pas, Abi, au cours où on a des réseaux sociaux. Bon, je sais pas si c'est devenu un parti des réseaux sociaux. Mais ça, Tobi, t'as ma solo, il y a existence sur le terrain. Mais à l'objet, nous allons reconquérir le pouvoir. Mais il y a mon cas, l'objet, tout ça, là, l'activité, bon, on a des réseaux sociaux. On ne peut pas conquérir le pouvoir dans les réseaux sociaux, puisque désormais, nous avons compris que vous existez dans les réseaux sociaux. Et à travers les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir la moindre prétention de reconquérir le pouvoir, puisque comment, d'ailleurs, vous ne l'avez jamais conquis.
Si nous remontons le temps depuis Moïse, vous êtes venus par les armes. Et nous savons comment Joseph a succédé à son père. C'est-à-dire, c'était pas par la voie électorale. Maintenant, comment ferez-vous pour venir réellement là, par voie électorale? Publier les résultats dans la charte de combat, tout ça. C'est clair que c'était un hold-up électoral. C'est quoi, élection franchement organisée. Alors, PPRDP a eu la prétention que je vais retourner au pouvoir. Non. Paix à son âme, j'ai dit une fois de plus, dans sa émission, il y a eu l'amour, il y a eu Bango, parce qu'il y a eu l'article 64. Article 64, on a Bango, ils ont payé à peuple, ils ont schéma au Bango, bah, yébi. Mais nous leur disons seulement que les temps ont beaucoup changé, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous parlons de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous parlons de l'alternance et c'est consolidé du processus démocratique. Aujourd'hui, nous parlons, il y a évolution positive, il y a bien-être, il y a Congo. Tout ce qui est de qualité pour que Congo ait à la pays, mais ça qui recule il y a 32 ans, il y a 18 ans, na bango, mais qui est là, il y a qui est de Kotombola, Motu, Nayango, et puis tout ce qui est de moi, Liboso. Maman, pour la cochiter. Pour la cochiter, je voulais dire que la problématique de la nomination d'Augustin Kabuya comme informateur, et Koki Kozala jamais sujette à un débat pour la simple raison que d'abord, c'est le choix de Félix Tshisekedi. De la même façon que Joseph Kabila porta son choix sur la personne de Charles Mwando Simba, qui était de la même origine, ou encore des mêmes origines que lui, de la même façon qu'aujourd'hui Tshisekedi porte, la fois passée c'était... Mais à l'objet, hein? La fois passée c'était Baati Lukwebo. Centraliser Karamakambo entre Bango. Mais qu'on centralise parce que Kabuya est déjà secrétaire général de l'UDP sous les alliés une politique. Na lobby, il a la confiance du chef. Charles Mwando Simba avait la confiance du chef. Ici, il s'agit de dégager. De dégager qui va lui donner les. De son parti politique. Mais c'est le responsable de son parti politique. Alors, déjà, avant la qualité, on a, d'après ça, il va, profil naïe. Et puis, en plus de ça, il a la qualité, la confiance du chef. Chef Amonique, il y est. Ceux qui n'ont pas essayé fonction, oh yo, à quoi dégager les gars, bah, tout tirant les conséquences du passé avec ma chauve-souris, oh, c'est toi qui. Et puis, hier, tamboulina, bah, pas t'es en agneau, ça. Le problème n'est pas d'avoir été ensemble, mais effectivement, d'identifier les vrais, mais ceux qui acceptent effectivement de marcher honnêtement avec le chef de l'État. Ils ont choix, naïe, ils ont informateur, ce n'est pas le gouvernement. Il n'est pas le premier ministre non plus. Il est informateur. On ne peut pas dire que Bazo centralisé soit par le fait de la désignation de l'informateur qui ne va poser aucune action ou ils a lié directement à peuple. Ils a actué à dégager majorité, pour dégager majorité ou pour permettre de nommer premier ministre. Je ne pense même pas qu'il te court dans le débat. On a plus qu'il y a débat, on a à te contredire. Voilà. N'a pas c'est pas origine. Il y a Charles Mwando Timba, Yemo Kamouni qui a Salim Beba Monet. Voilà, merci beaucoup. Arlette Odia, pour clôturer le dossier avec vous. Merci beaucoup. Les choses ont évolué. Oui, c'est ça vraiment quelque chose d'essentiel. On a retenu vraiment et sur lesquels on abonde dans le même sens. Hein. Les temps ont changé. Les choses ont évolué. Donc, les gens doivent arrêter de penser que vous serez en train de vous éterniser au pouvoir ou d'exercer le pouvoir par défi en violation de la loi. Il faut que eux comprennent ça. C'est à l'époque il y a Babobutu que ces choses-là pouvaient passer. En ce moment, ce n'est plus le cas. Quand on vous parle de l'article 64, ce n'est pas de la blague. Bien au cas, cet article 64, c'est quoi? C'est le fait déjà que le peuple commence à y avoir un désintéressement et un macambo politique. Vous avez vu que l'informateur a été désigné. Même en gourmand dans les réseaux sociaux, attaque bango moko batu ya union sacrée. Vous avez vu qu'ils sont en train de communiquer sur ça. Attaque au lakis. Mais bien sûr, et ça se voit, non? Ça saute à l'œil. Mais selon que peut-être que tu es proche de lui ou un peu distant de lui. Mais binobosa chaîne investigation. Essayez même de faire les tours. Il y a des réseaux sociaux. Oh, les lois, ça ne peut pas constituer un indicateur. Allez tendre les micros, n'a pas anonyme, bah, membre en voie union sacrée. Vous sentirez que il y a un mécontentement. Et c'est ça, justement, l'article 64. Et ça, le cause en Katianzamba, aux obou kanzete. Et c'est pas le même coup de machette qui va faire tomber l'arbre. Donc, nous sommes convaincus dans Makambo Bisotoaro Sala. Nous sommes en train de dénoncer les méfaits dans la société Nabiso. Il faut nous contredire. Quand on vous parle de la violation de la loi dans Makamba Kumi, là-bas, fonction, ça, on ne devrait pas en parler.
Ça, on est en train de mentir. Et le peuple est en train de voir. Tango loba, mais pourquoi déjà tango ngai na s'engager qui na politique na pona qui tiseke dien non Kabila. Yo moko pesi ba raison. Les raisons, c'est essentiellement toute la désinformation qui tournait autour y a gouvernance à Kabila. Au moins, y a zoé bisao que ndeko Rossi na ndeko Kapangala. Ils sont tombés parce que Kabila a bomaki bango. Mais tout le monde se souvient. Les circonstances où mes maki bande qu'on a biswana. Que je regrette beaucoup. Na regretta départ na bango. Et puis, de paix, c'est comme à peine à pouvoir. Et remercier pas ta famille na bango. Hein. Moi, si j'étais un dirigeant, na règne, il y a Félix Tshisekedi, il y a 2023, ou 2018 à 2023. Il fallait d'abord co-indemniser bande qu'on so bakoyaki. La plupart pe bakoyaki kana ignorance sont de IDP César comme mais la bangote. Rossi et Kapangala ils sont décédés. Na ba circonstances au bazako lo Kabila voulait faire le troisième mandat alors que Kabila disait qu'aline ko ça la troisième mandat. Tant wa ça le troisième mandat et comme une pression de Salaki non. C'est quelqu'un qui a montré comment à respecter la parole, n'a à respecter l'engagement politique n'a. Vous lui prêtez des intentions. Quand il vous surprend, vous dites non. Et la pression des sali qui a changé. Mouta sandeni pour beaucoup mandi mai. Et c'est toute cette désinformation. De tinda qui que, na quoi? Na quand y a famille politique, y a Félix Tshisekedi, essentiellement parce qu'ils évoquaient la notion y a état de droit. État de droit, c'est état dans lequel la loi et zalikolo ba citoyen bazanase. Est-ce qu'aujourd'hui ils en parlent encore? Même comme slogan. Ils n'en parlent plus. Ça, vous le savez. Oyo kasu sujou nini. Bandekwaye de pèse, baobele la sango. Y a état de droit. Et ça reste soutenu. Le peuple d'abord. Balobelango soutenu. C'est fini, ces choses-là. Et pourquoi, quand vous changez de langage, quand vous changez de combat, ceux qui avaient cru en vous doivent continuer à vous accompagner à croire en vous. Si quand on voit l'obélamakambo informateur, j'ai cité Charles Mwando Simba, qui était du Katanga, même province, que Joseph Kabila, pardon. Mais à cette époque, il y a aussi des gens qui avaient dénoncé. Pour penser, pour dire que, non, c'est comme si une seule province est méga-centralisée. Les gens avaient dénoncé. Il fallait que moi aussi, j'existe à cette époque-là, avec le même engagement politique et la même dénonciation. Mais quand cela a dénoncé, il y avait un autre argument qui disait que c'est une personne, d'abord, en tendance à opposition. Opposition au régime de Joseph Kabila. Sokotali, il est aîné, il est âgé, il connaît l'histoire du pays. Naba enjeu yamboka. Au moins que ça lui balance. Mais ici, nous sommes dans le cas où on peut déjà vous reprocher les faits. Que c'est la même origine. Moi, je ne sais pas un sugi aux écolonines. Mais moi, je suis du Kassai. Je te dis combien de fois ça gêne un Kassaïen aux anakati à milieu, mon kobo, Kassai ou bien. Ça, ce sont des Kassaïens, Kassaïen, Baluba, Kaboui. Ça ne peut pas vous gêner. Mais moi qui suis du Kassai, ça me gêne. Et je me sens à l'aise de dire que on ne peut pas continuer à donner l'impression que parce qu'il y a un président de la République kassaïen et que tout doit être dirigé que par les Kassai. Je le dis en connaissance des causes. C'est quoi ce qu'on dit sous na makambu, il y a connaissance, il y a classe politique, il y a enjeu politique, le fait déjà qu'il est le responsable, comme lui-même aime bien le dire, numéro un du parti ou de la famille politique du président de la République, c'est comme si c'est le président de la République qui est en train de tout faire. En tant que politique, on est en train d'analyser les faits de société. On n'est pas des robots. Oya olobakaka, voilà ce qui te passe par la tête, ou bien c'est que ton chef a dit, et si ko outi. Non, on est en train d'analyser les faits. Et ce que j'ai dit vaut son pesant d'or. Nyon soana pour vous faire voir que le pays va mal. Je ne suis pas la seule à le dire. Dans tous les domaines de la vie, le pays va mal. Aujourd'hui, tout comme il a beaucoup moko oh, mon consignant ceci car oh yazali, ata ya mukiye, il fait la loi, il fait la loi. Tama kamdenge aole kanan assemblée provinciale. Voilà, c'est le gouverneur qui a dit ceci, a décidé. Voilà, c'est le président de l'assemblée provinciale, aboy makambo gouverneur, atali makamnae, le vice gouverneur aye alobi na def si province mbongo. Donc, il suffit que moutoua soit parcelle de pouvoir. Il fait la loi. Mais maintenant, les pays, à sa manière, pourquoi? C'est parce qu'il prend l'exemple au-dessus. Le pays va mal. PPRD maintenant, a joué un rôle dans le pays.
surtout qu'il est resté toujours calme, je l'ai dit tout à l'heure, il est resté toujours calme. Sorti à Joseph Kabila. C'est fond rare et moi, on n'en écoute presque pas. On l'a vu peut-être dernièrement sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont présenté condoléances à la famille, à la président namibien, ou à Oti Kabiso. Communication à Zali presque pas. Bozoloba presque pas. Comment vous expliquez ça? C'est bien bon hein, de dire que les Madame Nadine, vous, qu'est-ce que vous faites? Ce sont les chevaux les plus gentils qui donnent des plus mauvais coups. Wana lisesende lobango. Je suis en train de vous répéter que les temps ont changé. On n'est pas obligé de faire les choses telles que tout le monde l'attend de nous. Il n'est pas obligé, les choses ont évolué. Mais justement, on n'est pas obligé de faire les choses comme tout le monde l'attend de nous. Je vous ai donné ici l'exemple de Mouzé. Mouzé Kabila, Azaki Nakati Amaki, il n'a jamais touché au sang de son prédécesseur. Mais il a mené son combat, lequel combat est comme ça qui est au sommet de l'État. Il n'y a pas que lui, il y a autant de dirigeants qui mènent d'abord ce combat, il y a qu'à sensibiliser l'opinion, il y a qu'à sensibiliser le peuple. Le peuple doit comprendre sa responsabilité dans Katia gouvernance. Et ce que nous sommes en train de faire, peu importe. Que vous dites, bozan la majorité, bozan l'opposition. Pour nous, ça importe peu. Ce qui importe le plus, c'est le combat qu'on mène. Je suis d'abord en train de vous dire que ce qui importe pour nous, c'est le combat que nous sommes en train de mener. Le combat de la sensibilisation, toi, vous sensibilisez le peuple. Les combats que tel, il s'abat, oh, on a pas un pouvoir. Que vous faites mal, vous faites mal de diriger le pays en violation des principes. Le PPRDP n'est pas se retrouver, n'est pas être au pouvoir, ou le FCC n'est pas être au pouvoir, mais ça ne dispense pas bah, on a pouvoir. Bah, comment qu'on violer bah, droit, il y a bah, citoyen. On ne peut pas en avoir dans ces conditions-là et dans ces circonstances. À quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Mais avant, ça servait. N'est-il pas député à Katumbi qui sort à Katia Assemblée nationale? À quoi vont-ils servir? Mais madame, le problème n'est pas seulement de claquer la porte. Le problème est, en tant qu'acteur politique, apporter des vrais changements dans la société. Mais quand vous êtes là, bien sûr, vous avez un salaire, vous avez 33 000, vous êtes un ministre, vous avez un salaire, vous avez 45 000 $, mais qu'à la fin de compte, même dans votre propre secteur, il n'y a pas de changement en faveur de la population que vous dirigez. À quoi bon? À quoi bon? Aujourd'hui, le peuple est en train de comprendre Makambo Bisso, Tozala Kikoloba. Et puis, surtout moi, je me sens tellement fière. Il y a Makambo, Onganaza Kiko, Yébi sa population, Olelo, Bakomi vraiment Kolbanon. Madame Arlette avait raison. Maître Aude avait raison. Et de plus en plus, les gens nous comprennent. Mais le président Kabila, il mesure convenablement et suffisamment le défi. Ce qu'on est bien, il est en train de changer, hein. Sa façon d'être, et ça, qu'il a changé. Il suffisait seulement qu'il va balancer, bah, photo naïe. Il y a Afrique du Sud, et si qu'il n'a pas amené à classe, ça fait le tour des réseaux sociaux qu'on les nominations et informateurs. Joseph Kabila a été rendre visite à la veuve, il y a président namibien. Ça s'est passé le même jour que la désignation de l'informateur. On n'a plus vu, même à l'image d'informateur, dans les réseaux sociaux, tout le monde était. Ce qui montre comment aujourd'hui, les Congolais attendent cet homme parler, attendent que cet homme agisse ou réagisse. Aujourd'hui pour Joseph Kabila, il est perdu. Mais il l'a toujours dit. Les autres n'existent presque pas. Il l'a toujours dit. Il a toujours dit que pour ceux qui se préoccupent de son avenir politique, la Constitution a déjà tout réglé. Et quand on parle de la Constitution, ce n'est pas seulement un président de la République en fonction. C'est aussi un président de la République qui n'est plus en fonction. C'est en fait tous les citoyens congolais. Donc, Bisso, vous devez au moins comprendre que c'est vrai. Nous avons une famille politique au Batu Bazalan à pouvoir. Les gens qui ont pris les goûts, il y a pouvoir, les goûts, il y a girofard, il y a Mais quand il est aussi question, il y a comme Kitissa pour se battre en vue de l'intérêt du peuple congolais. Je suis fière d'appartenir à cette famille politique parce que je vois les gens mouiller le maillot pour ça. Essentiel est que na minito ba congolais ba comme pena pour comprendre que non, il dépasse ça pena parti politique moro. Il y a dictature quoi.
parti politique moko banga ané ko violer loi té makasi bo hier ozolo ba makambo ba opposant ba na kati ya prison po ba ki ko critiquer gouvernance niti ndé ko ki pala moto oza na kati ya prison ba condamné à 6 mois. Qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qui lui a été reproché? Allez-y lire son dossier. Au point ni azaki na gelem mokolo ba obuka. Ba obuka ba barricade. Point ni alobaki, on ne peut pas nous intimider. Est-ce que pour ça un acteur politique peut entrer, peut faire la prison? Pendant que nous savons qu'article 5, il y a loi portant statut de l'opposition, et ça pour protéger la parole de l'acteur politique. Et tout ça, ça ne vous dit rien. C'est bisotoire aux militaires pour que le jour où la bonne gouvernance et qu'aux zonga na kati ya mboka, que moutouaz à l'opposition, la société civile, ton la majorité, batouba continue, qu'on vivre tous au pied d'égalité, la protection de la loi. Ngaïsou na na kati ya famille politique, ne tu abissou. Le FCC aujourd'hui au pouvoir, la famille politique de Joseph Kabila au pouvoir, s'il y a des choses qui ne marchent pas bien, je mènerai toujours ce combat au que, il y a qu'au défendre la voix de la population, même si ça va m'écouter tant moussou que, bon, au community, moi, gardien na kati ya famille politique présidentielle. Au community opposante na kati ya famille politique présidentielle. Ces rôles-là, ça se joue. Tout le monde a bâti. À un moment, si je me trompe pas, Barry Thomas Lokondo, qui était membre de la majorité parlementaire. Mais qui menait son combat, il y a qu'au Talissa, membre ya majorité parlementaire, au bazana ba responsabilité à l'État, que voici, décision au Bozui et ça pour un avantage à la population. Nous sommes de la même famille politique, mais ceux qui ne sont pas aux affaires ont la responsabilité. Il y a qu'au Talissakabao, Bazar au Kamba, que cette décision n'est pas bonne pour la famille politique. Nous avons une motion et ça là qui n'est pas l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura encore une motion? Mais beaucoup de balongolaka carrément. Le règlement intérieur, ou qu'on organise l'Assemblée nationale, ou qu'on organise le Sénat. Elle pourrait faire quoi, madame? L'opposition. La démocratie, c'est aussi la règle du nombre. Vous ne croyez pas aux députés ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas que je ne crois pas en eux. Non. Nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est défini aussi. La démocratie, c'est défini aussi essentiellement en tant que la règle du nombre. Au moment de ce qui est l'élection, ça l'est mis malam ou nakati amboka. Même si la population en haut a lingi ba toi majorité ndengenin. Et ça ne va même pas arriver que l'opposition a moins de 150 sièges dans cette assemblée. Ce n'est pas possible. Parce que par moi, surtout, il y a des battre campagne. Il y a des gens qui ont campagne, car la majorité n'a pas d'idée à bien. Na campagne, est-ce que batu bakenda ka ko voter que pour mutoza parti boy, pour mutoza parti boy, voilà, ou bien c'est en fraction du message que porte le candidat. Yo loba que population kende ka ko voter ba majorité, ba député en majorité, cela n'est pas vrai. Si quoi en fonction dans nous il y a point numérique, il y a opposition obino bo obenga na kati assemblée. Qu'est-ce qui peut être fait? Yango lelo les gens n'ont pas encore fait l'appartenance, il y a assemblée nationale. Et appartenance, il y a majorité ou bien opposition. Est-ce que vous voyez cette opposition pouvoir parler? Elle ne parle pas. Les gens n'ont même pas encore, les choses ne sont même pas encore faites convenablement. Baza même pas qu'au satellite, n'a pas un règlement intérieur, il y a assemblée nationale en haut. Cette opposition ne sait pas se défendre parce que déjà, le nombre numérique est amouqué et puis il y a même, menace, il y a débauchage, n'a qu'à opposition. Voilà. Merci beaucoup, maître Arlette Odia. Donc, on aura vraiment dernière partie parce que tout comme vraiment à la fin, nous devons libérer l'antenne pour le journal de 16h juste. Nous allons d'abord prendre cet élément avant tout soit volé à situation sécuritaire. On a repris ça, nous dit en tout 5 minutes. Arlette, puis 5 minutes. On va réfléchir ensemble pour la toutique antenne. Voilà, nous allons prendre ces messages patriotiques et à Dey Miller Coach. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, coach Dey Miller, président de l'ASBL, ici c'est Tchango, a lancé un message patriotique. Suivons et puis nous allons retourner juste après pour parler de la situation sécuritaire à l'est pendant 10 minutes et libérer l'antenne. Coach Dey Miller. En qualité, il y a président, il y a plateforme, ici c'est Congo, plateforme, il y a développement et il y a valorisation, il y a Mbokanabiso. Et aussi en qualité, il y a haut cadre, il y a parti, AREP, il y a excellence, Guy Luando. Naye Liboso Nabino, Otoyebi, qui est situation dans l'Est à Mbokanabiso, depuis plus de 30 ans, ils allaient en guerre, ils allaient attaquer par un ennemi ébélé.
opposition, majorité, tout ça, la bisonnion, ce bon, mon copona, tout longa, guerre, au, et na, na est. Bisonnion, ce, il faut tous, à l'estime, à mon compte, à moka, excellence, Félix, Antoine Tshisekedi, au, à Zali, chef suprême, il y a armé, na biso, au, à Zobonissa, au, à la multiplier, bah, budget, il y a moka, na biso, il y a armement, pour y permettre que, formation, équipement, il y a, bah, soldat, na biso, et zala, na dimension, et que permettre, biso, tout gagner, guerre, wana. Moutou nyonso, oya Kongolo, a botami Kongole, oya lingaka mboka, oya lingaka drapo, oyo, azana obligation, ya rozala soude, oya rebele la, oya roloba la likamo na avantage ya ennemi, c'est que, yo anane mtazali nloki ya mboka, or to lingi likamo ane wana te, l'heure oyo te komi nangonga oyo, victoire ezali boso na biso, toza la bomoko, en tant que citoyen Kongole, mwana ya mboka, bana ya mboka, to sangana ke, aucun centimètre ya, ya mboka na biso, e kende pa ya ba ennemi et naïebi que et longue et zali toujours tina pe ma force et belé et zala la prière n'a pas bon n'a ma casse n'a pas militaire n'a biso n'a pas soldat n'a biso baso bunde n'a biso kuna na est tout tini pe ma casse n'a pas oya ba citoyen ou ba se réunir pour baza la ba défendeur ya mboka n'a biso tolini division t'es tolini soutien maximum can n'en équipe n'a biso ba léopard baso bêta et zo permettre visibilité absolue ya o iso le capeux na est ya wana sengi bango merci ba kenena wanti na souka to resenga na ba citoyen nyonso na ba o basa na ba page ya TikTok ba page ya Facebook bolata likambo Kongo na biso eza la souci na biso ya tous les jours to tia en place ba manifestation to kene devant ya ba ambassade o basa concerné na makamu na biso po li solo na biso makamu na biso ya Kongo eza la connu de tous et na sengi merci mingi na ba ndeko na biso ya Afrique ba bandeko na biso ya monde entier o basa na souci ya Kongo to yebi victoire et vos années 2024 au Yotro. Voilà, de retour sur ce plateau, Cédric Moudianto, 5 minutes, collègue Saté. Nous devons libérer l'antenne, Arlette Odion également. Alors, 5 minutes, c'est vrai, ça fait mal la situation sécuritaire à l'est de la République. Mais pour un va accorder qu'à attendre mon quai pendant le bilan et si que Batbako poufa. Ma Congolais basali qu'on perd ma vie, mais tant qu'on est nous devons libérer l'antenne. Moi, Lamboka, avec tout ce que nous sommes en train de vivre na, par rapport à l'Est de la République, message peut-être lundi, il y a des milliers, nous basali qu'on compatir na bande qu'on a biso, basali vraiment qu'on couvre en cascade, s'il faut le dire. Moi, Lamboka, qu'est-ce qui empêche, surtout que le chef de l'État avait promis, nous tous nous l'avons suivi sur Top Congo. Message na ezala qui clair, ce qui va toucher Karata na moko, il va déclarer la guerre à l'Est. Maintenant, qu'est-ce qui empêche pour l'instant République démocratique du Congo à déclarer guerre na ngambo ya Rwanda? Merci. Qu'est-ce qui empêche pour il y a le bac qui obé un, mais bah comme déjà ébélé, bah les plusieurs. Merci beaucoup Mamelo, question très pertinente. D'abord la linga qui na partagé mawa na bande ko na biso ya Est. Eza bande ko na biso ya Est était eza ba congolais. Passinabango, Isapassinabiso, c'est une situation qui n'a que trop longtemps duré. Ça va faire des décennies. Batuba Koufimingi, Bande Konabiso, Yabasi violé, Batuba enterré vif, Batoutumba Batou. Ça fait très mal. Alors, Nalingen a partagé Nabango compassion, nous sommes ensemble et c'est pour ça qu'il fallait une alternative. Il ne fallait pas qu'une alternance, mais une alternative également, que Félix Tshisekedi. Il est une alternative, effectivement. Par rapport à la situation en Analyne, à sa digression, mouké, par rapport à PPRD, je voulais juste vous assurer, tant que Mme Alobi, sur la personne de Joseph Kabila, n'a aucun mouakake, bango ne va comment forcer Joseph Kabila. Kabila, il n'est plus dans ces histoires-là, parce qu'il sait que. Moni Moutouye, mon Kamiye Baka. Avant Narana Kabila, bango Bakbaranae, Yolobi n'est plus dans ces histoires. N'a pas été à Koloba, n'a économiste. Bissot Tangi, n'a économiste. Bissot Tangi. Les analyses se font sur base des indicateurs. Aux analyses, c'est pas un problème. Mais les indicateurs, premier d'abord indicateur. Joseph Kabila n'est plus dans ces histoires-là. Bah, autant d'indicateur, mais connaissant ce qu'il est, connaissant sa personne, ayebiye moko, accession naie na pouvoir, règne naie, relation naie na population, azo jojit, ayebiye po nanga en tout cas. C'est ce qu'on appelle aliénation mentale. Le terme peut sembler gros, mais c'est une aliénation mentale pour ceux qui croiraient encore aujourd'hui dans le retour à Joseph Kabila, puisque
Les lobes ont ça la cartographie, il y a espace politique. Alors, place où on a fait tout ça là bien. Place où on a fait tout ça là bien. Ceux qui t'ont zongi, t'ont ça là bien. Bien qu'ils t'ont basaki, basaki ma bé. Mais n'gagne pas savant que, beaucoup ça la sous bien, t'es pas basaki déjà dans le terrain. Ceux qui déjà babachali changement, obimi na yo, y'a pas que t'y matches aussi là, aux zongate. Et comme on dit, la continuité de l'État, ça veut dire qu'aussi les matchs, ils ont qu'aux zongaye, sous pour bino boire son espace aux zonga souté, puisque, baye bibino. Aucun élection qu'aux anna message, ils ont bien. Mais message n'a bien locaux, ils ont qui a précédé na Kabila. Moutignon, c'est lui qui était. Alors, tout bien, n'a yé wana. Anna ba idée bien. Élection pèse à la sociologie, t'o lingi payé. Mais moutoye li bisonde a opposé problème. Bon, voté au thé. Ta personne, on veut. Ton message est bon. Mais oyo si quoi ça comme fondement un message na yo ndé pas rejeté donc pas rejeté on a bolingo nyoso to lingio mingi mais ke ndé kaka moi to pona yo ezaté ndo monique opposition etikali nango na ba député té kozala na préoccupation mon côté par rapport à ba motion na ngana rappeler au cas que avec l'écrasante majorité de l'union sacrée na parlement passé il y avait des ministres qui étaient destitués notamment les ministres de l'économie. Nous c'est la démocratie, nous avons na katia le kanisa démocratie. Situation de l'Est. Ça nous fait très mal. Maman, Mamé, on va checker des alternatives. Aboy kolanda schéma. Yako collaborer na ba ennemi. Yako kobongisa na ba ennemi pour na kozwa kimia moko une paix de factice, une paix factice. Pe kimia moko ya ya likolo likolo ya soloté pour na l'axe que to gagner paix et pourtant ba gagner pété mais ba sali ba accord na ennemi. Tshisekedi n'est pas dans cette logique-là. On ne va pas dialoguer avec l'ennemi. Quel que soit le prix, vous êtes condamné. Même pas obligé. Vous êtes condamné à quitter le sol congolais. Maintenant, la problématique, il y a qu'au faire partir Bango. Écoutez, c'est une question polysémique. C'est une question profonde et pertinente. Puisque la guerre à Est, il y a plusieurs ramifications et implications. Nazoya. Et ça a plusieurs ramifications et implications. Tout ça a une implication diplomatique, puisque le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Osomo n'a pas zo boma batou. Bah, osanyo soit salawana. Mais osomo États-Unis a zo l'axabiso kante la kaya. Dialogue. Bah, puissance occidentale va l'axabiso kante la kaya. Dialogue. Dialogue, et ça poto arrivé na obango bazo luka. Bah, luka nini. Omo na kenemi osenga toujours. Brassage, mixage. Bah, oyo kabila facilita ka bango wana. Bah, kotiti na ba institution na biso. Bah, koti biso ti na moi l'épinière. Tant que tu sais que derrière il y a un jeu, il y a exfiltration. Tu as oublié ça, bango, alors que tu as un bango. Il faut t'exfiltrer, bakindi. Toi, tu as abissé, on a abissé. Le loup, c'est ça qui a ramené un peu fragile face à Blokwana, c'est la trahison. Mais les traîtres viennent d'où? Les traîtres viennent d'un bango, tant que côté n'a quatre n'abissé. Alors, l'enjeu ici, c'est d'exfiltrer la première des choses. C'est ce qui est en train de faire Félix Tshisekedi. Après ça, il y a toujours l'enjeu diplomatique, puisque le fait que Baza soutenu par une bonne branche, il y a communauté internationale, en politique, c'est le rapport de force. Il faut que nous aussi soyons en collaboration avec une bonne branche aussi efficace. Par exemple, l'ELO, le Rwanda est soutenu, je chute, par les États-Unis. Pourquoi pas la RDC aussi faire les accords avec la Russie, la Chine par exemple. Le rapport de force devrait s'imposer. N'a chuté na question na yo. Au lobby. Mais le chef de l'État avait dit à la moindre escarmouche. Mais phrase est continue qui non. Alors, qu'il y a la moindre escarmouche, tu peux déclarer guerre à Kosanine. À convoquer les deux chambres en congrès. Coup, tu appelles ça en avant jour. Puisque le jour qu'il parle, c'était un lundi, fin en campagne électorale. Mardi, tu peux mercredi, tu peux. Alors, mercredi, on attend que vous autres qui n'est pas voté, on a rassemblé, lundi, c'est le moment, bien. On a rassemblé deux chambres, j'ai dit, je fais feu. J'ai dit textuellement ce qu'il avait dit. Mais, c'est totalement révolu. Puisque nous avons eu les élections, tu as une nouvelle chambre basse. Et chambre haute, toujours, c'est l'élection, ça veut dire, toko rassembler Bango Lissouté. Déclarer la guerre est une démarche, déclarer la guerre est une démarche constitutionnelle. Comme c'est constitutionnel, après c'est une procédure, il doit obtenir ça, na, mais les choses représenter aussi peuvent changer, non? Mais, tant qu'on lobby qui est battu au Koufa, on n'a pas croisé les bras. On lobby le problème avec les M23, c'est quoi? Quand ils ont conquis quelques ma belle Nabiso, bah ça là ma communication beaucoup, il y a triomphalisme. Tozui boy, tozui boy, tozui boy. Mais tant que baza frappé au monde à lobby, d'ailleurs les FRDC bah comme ils ont bombardé ma population civile, l'anda communication là-bas a avant-hier. Aujourd'hui ils ont fait du chantage. Mais si vous dites que bah tu vas au coup, tu kangi ma bon côté puisque Sake, ils ont récupéré. Kishasha, ils ont récupéré. Mais Nabi déjà bombe mon coup. Ils ont Nabi boy. Voilà. Sake, ils ont récupéré. Kishasha, ils ont récupéré. Le fait à récupération et pas Ibango Bakota qui ça veut dire que nous avons en même temps une armée qui est en train de travailler. Il y a en même temps
les résistants congolais, notamment les Wazalendo, Oyope baza déterminé à mettre Bango hors d'état de nuire, tout en sachant que le chef de l'État l'avait dit. À la moindre escarmouche, la procédure était définie. Nous finirons par déclarer la guerre au Rwanda et ça sera en une bouchée. Toi aussi, c'est le Rwanda. Voilà, merci beaucoup, Arlette Odie. On termine avec vous. Merci. 5 minutes avant. Dès qu'on vous dit, on doit non, PPRD, à Ozon, à Soussou, n'a pouvoir te. Parce que ceux qui jouent à Bimina Katia terrain, à Ozon, à Soussou, n'a Katia terrain te. Mais si on parle de la gouvernance d'un pays, ce qu'on t'a dit bien le concept de démocratie qui rime avec celui de l'alternance, et ça que tout au Yokambi, tout wana, et ça famille au bazaï qui n'a qu'à opposition, bah, famille au bazaï au kambate, bah, kambi. Mais si vous voulez des exemples pratiques, je lui rappelle que, actuellement, président brésilien Zalula, il avait déjà été président, si maintenant on va tumsousou, bah, moutumsou aéko ma président, yé, aéko zonga président. En face de nous avec Sassou Nguesso, c'est la même chose. Donc, il est possible que le président Kabila, qui a déjà dirigé ce pays, dirige encore le pays. Mais pour nous, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est que la bonne gouvernance est zonga. C'est d'abord ça. Les individus, ils sont des pièces interchangeables. Mais la bonne gouvernance, il y a des problèmes. Tant que Mokonziambo Kalobaki a ça la reconfiguration en majorité, et loko oyo longo la kinga na famille politique na yangwana. Alobaki a zwa, ba député ya FCC. Mais qu'est-ce qu'il est allé dire en campagne? Avec ici population, no bo pesanga ba député moussous. Po onazaki na bango ba sungate. Mais nous étions en train de dire que débauchage est au sungate. Binouska bolingaka ba conséquence de et corriger bino. Mais un acteur politique, c'est celui qui a la capacité de la clairvoyance. C'est lui qui sait voir au-delà du mur des apparences. Qui voit vraiment au-delà de Makambo, au président Kabila, à Zakanango. Tant il y a lobby, non, Kabila a occupé sous Makambo en côté. Et comme elle a été payée sous, à son époque, à Tounikoutoubango. Mais Batoubao, le Banga, Naza, fils de Belzeboul, un magicien. Mais pour vous, qui suis-je? Boébi, réponse à apôtre Pierre. Et cette réponse-là, c'est n'oublie sa famille politique naïe. On dit que tu es la personne que Dieu a choisie, que la personne en laquelle le peuple croit pour que bonne gouvernance est zonganakatia mboka. Si vous n'y croyez pas, ça c'est votre problème. Vous ne pouvez pas nous demander de ne pas y croire. Nous y croyons et nous l'expliquons aux Congolais. Ils le comprennent et ça va arriver. Maintenant, Makambouya, guerre à l'Est. Mm-hmm. Nous sommes plus touchés, plus préoccupés de la situation. Hein, là. On est en train de regretter comment l'actuelle majorité prend la question avec beaucoup de légèreté. Voilà, le président de la République a dit qu'il ne va pas négocier avec l'ennemi. Ça, c'est vrai. On négocie peut-être pas avec l'ennemi. Mais on arrive toujours à négocier avec un ancien ami devenu ennemi. Pour Bandeko M23, Balobaka Kebazaka en alliance, n'a eu des pèses, n'a fait du séquel, il va bêta 14 mois. Ah ouais. Et chaque jour, ce qu'on a eu à M23, il y a eu à M23, il y a négociation. Ça veut dire que c'est un ancien ami qui est en train de vouloir négocier. Au moment où la langue, il y a eu à négocier. Mais nous, nous pensons autrement. Nous pensons que dans un pays, il y a une bonne gouvernance, c'est ça. Ennemi wa ko uta libanda ko zwa plasté. Sozo ka M23 bazako na esengo na bango bazaka na conviction que Makambo ba sale ko simba. C'est parce qu'ils savent que de l'intérieur, le régime, le pouvoir de Kinshasa est fragilisé à travers ba cassure au bati na kati ya gouvernance, ba violation ya constitution, ba violation ya ba droit ya opposition. Donc mon a lelosko Bango ba ta majorité, ils ont compris que c'est ça le danger. Yoka sensibilisation na bango na média, nous faut tout sangana. Quand ninge to sangani autour de léopard, il faut pas tout sangana autour du chef de l'État. Chef de l'État va en violer ba droit et opposition. Même si on a la bonne volonté, yako sangana na yé. Mais qu'est-ce qui va nous retenir? Qu'est-ce qui va nous encourager? Soko ebike après avoir ko sangana na yé, on va vous poignarder dans le dos. C'est ce que nous avons vécu, non? Il faut donc continuer à faire confiance. Je parle pas seulement de nous en tant que FCC. Je parle presque à Batounios, même à Lelo, à Katia, il y a Katia majorité.
La majorité na Bangwana, est-ce que vous n'avez pas appris que les partis de Bahati Bayo Kanate na parti ya Kamere. Après comme non Kamere Bayo Kanina Bahati. Si quoi est comme problème entre Sama Lukonde avec Jean-Pierre Bemba. Toutes ces choses là, vous pensez que l'ennemi ne va pas profiter? Pour l'ennemi à profiter, car on a quatre divisions. Dans mon bino bota là bas réseaux sociaux là bas médias. Bon mon a pas si y a bande quoi est-ce que ça la bino moté ma pas si t'engan en cas moi. Pourquoi l'équipe a mal joué hier? Bah jouer bah autant là-bas image babi mais c'est une image bah c'est même pas la trabrasa au moment que l'équipe est affaiblie l'équipe dit mais bisous aux akato beta awa na est c'est au bateau bah le vaque non bon beta bien pour encourager bande quoi est mais il faut au moins bande quoi y a bande quoi bas en a capacité à retard la TV y a retard la radio pour bah yo kake RDC wana gagné Léopard wana gagné na Cannes sinon même pas où aller. Bao kende boe bazo bunga na baboti na bana na bango. Elo kwa kolie zate. Bao bazo elo kwa kolie apeti zate. Po otala, mwana ona zaki nesi kwa ke wapi. Et vous êtes insensible. Vous pensez qu'on doit s'amuser avec ça. Nous sommes déterminés. Toi continuer qu'on sensibiliser peuple congolais. Et si vous ne le savez pas, l'article 64 est déjà en application. Bisi kwa kotambo la na wenze na beglise un peu partout. Vous verrez kaka non, 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 non. Voilà, il faut conclure. Je suis en train de vous conclure en vous disant que il faut que tu mènes bah combat politique pas seulement que se focaliser sur ben individu. On doit se focaliser sur les principes et les respect des principes, les respect des lois de la République, surtout les respect de la Constitution, qu'on respecte quand même bah droits des uns et des autres. Et qu'on facilite la gouvernance et ça a mal. Je ne peux pas terminer mon propos. N'a coupé sa compassion dans la bande de Oh, baza arrêté injustement. Bah, n'a ba prison. Certains bah, membres de la société civile, pourquoi bah, qu'ils ont manifesté, hein? Bah, m'sous, baza n'a n'y a kangama. Bah, oh, bah, libéré, bango, bah, bi, balongo, li, bango, bilamba, bah, maltraité, bango, des pères de famille, et zopé sa passe. Bande qu'on a bien soit père des FCC, oh, bah, n'a qu'à ba prison. Bandeko, bah, y'a bah, parti, moussoussou, bah, n'a qu'à t'y a prison pour la macamboa politique. Trouvez en ces propos ma consolation. Et je suis en train de vous dire qu'on mène ce combat pour que, comme a dit la Bible, que les captifs soient libérés. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Arlette Odia. Merci aussi à Cédric Moudianto. Merci, Nabandeko Banso, Bazoua Kipenza, occasion. Y'a rota l'absou Mokoula Lelo. Tokoutaï Nabino, Mokolo Moussoussou, Pe, Nabandeko Moussoussou. Merci.